Alors, nouvel essai mené par l'Argus. Euh, ils ont testé la grosse Ford Mustang Mac E sur leur trajet habituel. Voyons donc ce qu'il en est. Ils enchaînent à l'Argus les essais des voitures électriques, c'est bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est toujours sur le même trajet, donc on peut vraiment comparer toutes les voitures entre elles. Donc, je vous passe l'intro. Avec sa longueur de 4,71 m, 8 cm de plus que le modèle compact Kuga, la Ford Mustang Mac E est taillée pour un usage familial, même si son intérieur ne bat pas des records d'habitabilité de pour un véhicule de cette taille. La présentation de l'habitacle est de facture correcte. Quant à la grande tablette verticale au centre de la planche de bord, elle fait référence au modèle Tesla, notamment au modèle Y. Avant le départ pour les tests d'autonomie, signalons que la gamme Mustang Mach E démarre au prix attractif de 48 990 euros pour la version de roue motrice de 169 chevaux et petite batterie de 76 kWh. Cette version profite du bonus écologique de 3 000 euros, donc ça la met à 45 990. Pas de bonus pour notre essai, version d'essai haut de gamme Extended Range First Edition à 69 500 euros. Qui est la mieux dotée pour un test d'autonomie, sa grosse batterie de 88 kWh utile promet en effet 150 km de WTP et 351 chevaux. La Mustang Mach-E est fabriquée au Mexique et elle est... qui est disponible donc dans la plupart des concessions Ford en France depuis ce mois d'avril 2021. Alors, je sais pas si. Ouais, voilà, ça doit être à quand hein, Le plus proche de chez moi, Ford, je pense. Il faudrait que j'aille la tester à l'occasion aussi celle-là. On verra oui. ça après le confinement, parce que ça fait un peu loin quand même. On verra ça en mai à la limite. Il faut d'abord que je teste la Dacia. Chaque chose en son temps. Alors, ils sont partis avec 97% de batterie. La puissance confortable permet au Mustang électrique de se caler à 132 km/h, 130 GPS, sans effort. Et le parcours se déroule agréablement au niveau so entre niveau sonore peu élevé, assise dominante et bonne vision périphérique. On en profite pour détailler la grande table tactile de 15,5 pouces au graphisme soigné. Ford a trouvé la bonne formule avec elle. Son ergonomie digitale permet un apprentissage rapide et son système intelligent. Fait remonter les fonctions les plus, les plus utilisées. Dans des pavés d'accès direct, tandis que la commande rotative sur l'écran sert à régler le volume sonore du système audio BNO au passage de bonne qualité. Enfin, le Mustang complète son aménagement par un écran derrière le volant pour les infos essentielles, vitesse, pourcentage de batterie, autonomie restante et température extérieure. Alors, justement, 17 degrés à l'extérieur, donc j'ai précisé ça dans mon tableau. Beaucoup de décès à 17 degrés aussi, donc euh, voilà. Consommation ressort à 25,8 kWh au 100. Squad, Soit un score légèrement supérieur au ID4. Deux roues motrices, c'est normal, ça ne m'étonne pas. Beaucoup plus gros et quatre roues motrices, du coup. La consommation électrique du Mustang Mac, E ne sera pas facile à battre par un concurrent direct en puissance et en prestation, et à ce rythme, nous aurions pu parcourir quelques 340 km. Un exercice toutefois pas forcément reproductible, avec des conditions moins favorables, voire en température. Alors, ils ont changé, évidemment. Ils ont sélectionné le mode conduite active. juste milieu entre Whisper, Mode éco et Untamed. Mode Sport. Sur les petites routes, nous perdons un peu notre sourire du début à cause de la suspension 3 Quel inconfort dès que le bitume est déformé, et aucun amortissement piloté n'est disponible en option sur cette version pour améliorer les choses. Le manque de ressenti dans la direction apporte un peu plus de déception, encore un point incompréhensible car les forces se font habituellement remarquer pour la qualité de leur liaison au sol et la précision de leur commande. Heureusement, la Mustang Mac, eux, se retrouve, retrouve toutes ses capacités quand on force l'allure, ce que nous avons fait hors de ce test d'autonomie. Avec des trains roulants précis et une agilité assez étonnante pour un engin qui flotte les 2 tonnes d'euros. Fort d'un même trouvé un compromis correct au niveau de la sensibilité de la pédale de frein. Ce que toutes les électriques ne savent pas faire en raison de la transition délicate entre freinage régénératif et perfection. Donc la conso sur route. Par contre je vois un truc, la température est montée à 24 degrés quand même. Ah oui Ah ouais, donc euh, je vais devoir augmenter la moyenne, hein, parce que 17 plus 24, ça fait 41. Ouais, je vais mettre 20 hein, la température parce que là, euh, 24 degrés pour la route euh, et à consommer 17 kWh au 100 quand même. C'est pas terrible. Donc la, la Mac E propose la conduite à une pédale pour les adeptes du système et pour une récupération de l'énergie plus forte. À décélération, il faut actionner une touche sur la commande rotative située entre les sièges. Un bouton volant comme la, la Porsche Taikan aurait été plus pratique. Donc 24 degrés, 17 kWh au 100, meilleur score que la Zoé. Ouais, je, ouais, je comprends pas pourquoi d'ailleurs la Zoé a un tel score, c'est assez étonnant. Pourtant il faisait 15 degrés, euh, bon, c'était plus frais que le 24, c'est sûr, mais quand même. D'ailleurs, à ces rythmes calqués sur les tests réglementaires sur route, mais sans le souci d'une éco-conduite, nous aurions pu parcourir 519 km, soit une distance proche du double TP. Ouais, mais c'est pas atteint, hein, encore une fois. donc euh, L'ID4 est plus efficient, mais bon, encore une fois, il est un peu plus compact, moins massif et moins puissant aussi. Alors la recharge. Dans sa déclinaison externe range, avec une batterie de 99 kWh, la Mustang Mac E accepte une recharge de 150 kW et 115 hein, donc pour la version 76 kWh. Une puissance délivrée aujourd'hui par les bornes Unity situées sur les autoroutes. Ford annonce une recharge de 10 à 80% en 45 minutes. À la station de Vrigny, donc, ils sont passés de 65 à 87% en 45 minutes, seulement 21 kWh et demi délivrés. Soit une valeur loin de la promesse. Oui, mais en même temps, bon, la batterie étant. Euh, elle était, même, elle était au deux tiers encore la batterie, donc euh, on ne peut, peut pas se fier à ça, hein, clairement. Des explications à cela, après 80% de la charge est plus lente, c'est pourtant important de charger beaucoup à l'antenne dans le parcours. Et deux autres voitures électriques étaient en charge à la station, ce qui peut influer sur le débit. Unity a au autant passé, donc kilowatts délivrés. Notre ardois s'est établi à 40 euros pour 21 kwh donc euh, ouais. C'est toujours aussi hors de prix, hein. par contre, Unity, ça ne ça change pas. Quel enfer. Allez, on passe à la conclusion et après on passera au tableau du coup. Pour son premier véhicule dédié à 100% à la propulsion électrique, Ford montre une belle maîtrise de la performance. L'aérodynamique soignée et la gestion logicielle des batteries permettent une autonomie sur route proche de la valeur WLTP. Plus de 500 km, ça commence à parler. C'est vrai, la batterie grosse sur autoroute, c'est encore un peu court pour être indépendant des stations de recharge rapide, coûteuses et parfois occupées. Bah si, mais il faut se recharger à 10%, en fait, quoi. Quand pas à 65 c'est ridicule d'avoir fait ça de la part de l'Argus. Ils auraient pu éviter là, hein, pour le coup. Mais le Mustang Mach E peut encore faire mieux que notre version. Sa déclinaison monomoteur de 294 chevaux avec la même batterie annonce 610 km WTP et allège au passage la facture 56 500 euros qui droit au bonus de 3000 euros. L'équipement de série est moins fourni que celui de la version 4 motrice, mais la réflexion est à mener. Alors ils ont aimé. Belle efficacité, surtout pour informer, SUV, comportement routier et performance, prestance, contenu technologique et ergonomie digitale. Ils ont regretté le confort sur route, donc un confort sur route, le ressenti de la direction, et le tarif de la version d'essai, donc euh, qui est proche des 70 000 euros. Effectivement, c'est hors de prix à ce prix-là. Donc vous avez les dimensions 4 71 de long, 1m88 de large, belle bête. 2 hein. tonnes de quasiment, 351 chevaux. 11 kW en charge en courant alternatif et 150 kW en courant continu. Le 0 à 100 en 5 secondes 1. Ce qui est bien sans être fou on va dire. Et donc les autoroutes euh, 25,8 et sur route 17 km au 100. Bon du coup j'ai ajouté à mon tableau, comme vous le voyez j'ai mis 20 degrés hein, pour faire une moyenne entre le laisser sur autoroute à 17 et laisser sur route à 24 degrés. Euh, donc bon c'est pas le pire mais c'est pas le meilleur non plus, moins hein. de là. En même temps, encore une fois, vu la taille de l'engin c'est pas étonnant. C'est un colosse hein, cette Mustang Mac E. Sur route, bon, 17 kWh au 100. Effectivement, c'est mieux que les tests qu'ils ont menés en Zoé, bizarrement. Euh, la Zoé... Euh... Alors, je sais pas comment ils ont roulé avec la Zoé, mais 17 kWh sur route, quand même, au 100, ça me paraît énorme. Hein. Ça me paraît beaucoup. On me dirait, la i208, c'est pas beaucoup mieux, c'est 18 kWh au 100, donc euh, étrange. Alors, soit ils ont tapé dedans, soit il y a un bug dans les consommations, mais c'est bizarre. Ce qui est bizarre aussi, c'est que le i2008 fait euh, moins que la i208, par exemple. Alors que c'est un SUV, il devrait faire plus logiquement. Bref, il y a quelques trucs bizarres. Bon, la Honda E et la Mazda MX30, hein, j'en parle même pas, ce sont des consommations déplorables. La Honda E restera la pire, hein, je pense, niveau conso. Alors à moins qu'ils arrivent à tester l'Audi Tron, qui devrait faire pire, je pense, que la Honda E. Et encore, c'est même pas sûr sur autoroute, pour le coup. Mais euh, bon, voilà. En tout cas, le Mustang Mac E est dans la moyenne, on va dire. On va dire moyenne haute, niveau conso, mais... Euh... C'est pas catastrophique. Voilà donc pour ce test de l'Argus, en espérant qu'ils en fassent d'autres. Là, ça fait combien hein 3, 4, enfin, attendez. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16... 18. Ils ont fait 18 tests déjà, c'est pas mal. Hein. Avec 17 voitures différentes, donc ils en ont fait 2 avec la Zoé, parce que le premier est à 4 degrés et l'autre à 15 degrés. Ils en ont refait un du coup, parce que Renault, à mon avis, ils ont dû gueuler, mais attendez, les consommations, refaites ça, hein. Ça va pas du tout, hein. on est très très mauvais par rapport aux concurrents. A mon avis, ils leur ont dit de leur faire. Hein. Donc voilà pour euh, la Mustang Mach E et son test euh, Paragus. Je vous laisse agir, ciao!